Lancement officiel de la présente campagne de sensibilisation a comme objectif spécifique informer la population de la commune nouvelle de Kulikoro des activités de communication et de sensibilisation, assurer la visibilité de la brigade d'hygiène et d'assainissement et les autres acteurs d'assainissement, informer et sensibiliser la population sur l'importance d'avoir des latrines répondant aux normes d'assainissement. L'important, c'est que vous voyez toujours que je me mets en retrait, parce que pour moi, la maîtrise d'ouvrage, qui est censée faire le travail, c'est la mairie. Nous sommes là uniquement comme accompagnateurs. Notre projet se terminera en 2024. Or, vous avez vu qu'on a une campagne qui va jusque 2030, parce que la mairie s'est engagée à continuer. Hein ? Vous avez vu ce que la très bonne troupe de théâtre a démontré. Il y a encore énormément de problèmes de salubrité au niveau de la ville de Kulikoro. Le lancement de la dite campagne va introduire le démarrage des travaux de réhabilitation de près de 800 latrines dans la commune urbaine de Kulikoro. Et le démarrage des activités de sensibilisation autour des travaux, mais aussi la sensibilisation des habitants sur la bonne gestion des eaux usées. Je déclare lancer les activités de la campagne de communication « Ma salubrité, c'est ma santé » dans la commune urbaine de Kulikoro.